Bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Mam, j'ai bientôt 41 ans et je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Avant de faire la formation, j'ai toujours travaillé à mon compte, je suis animatrice radio et animatrice d'événements, donc je continue de le faire tout en suivant la formation de Your Nails International, puisque j'ai voulu me former aux ongles, mais tout en gardant quand même mon métier d'animatrice d'événements, puisque je suis encore appelée aujourd'hui pour présenter des événements sur Lyon et sa région. J'ai toujours aimé le milieu des ongles et c'est pour ça que j'ai voulu devenir prothésiste ongulaire parce que en fait je me suis toujours fait les ongles, j'ai toujours fait les ongles aussi à mon entourage, alors avec du vernis classique. Depuis toute petite, j'adore ça et je me suis dit bah pourquoi pas en faire mon métier. Et c'est vrai que en fait en discutant avec la prothésiste ongulaire qui s'occupait de moi, un jour elle me dit mais tu sais mam, moi aujourd'hui, j'ai du temps pour moi, du temps pour ma fille, je fais mon emploi du temps comme je l'entends et en fait surtout mon mari ne travaille pas actuellement, il cherche un nouvel emploi et ce que je gagne en tant que prothésiste ongulaire me permet de pouvoir faire vivre notre famille assez convenablement. Et en fait, je me suis dit, bah, sans penser uniquement à l'argent, le fait déjà de pouvoir travailler à son rythme, de pouvoir choisir ses horaires et en plus, quand tu travailles bien et que tu as une bonne clientèle, bah, de bien gagner ta vie, franchement, on va pas se mentir, c'était l'idéal pour moi. Pour ce qui est du choix du présentiel ou du distanciel, en fait, mon choix a été assez rapide parce qu'en fait, il y a une dizaine d'années, j'ai fait une formation en présentiel. On était une vingtaine de personnes à la suivre pour deux ou trois professeurs, si je puis dire, qui nous apprenaient le métier. Et en fait, j'en suis ressortie vraiment déçue parce que ça a été cinq jours de formation où elles n'avaient pas le temps de s'occuper de nous toutes. Mais comme j'étais hyper motivée, j'ai acheté énormément de matériel, j'ai mis beaucoup d'argent dedans et j'ai commencé à discuter autour de moi. J'ai la chance d'avoir un réseau, d'avoir des amis qui ont voulu que je leur fasse les ongles et en fait c'était une catastrophe, ça ne tenait pas, les poses étaient mal réussies et je ne mets pas la faute que sur moi, je mets aussi la faute sur cette formation qui n'a pas été complète pour moi puisque je pense qu'en 5 jours, en étant 20 enfermés dans une petite pièce pour suivre une formation, ce n'est pas du tout l'idéal. Donc pour moi ça a été très très simple de choisir le distanciel en me disant que j'aurais vraiment le temps d'apprendre, de réapprendre et de revoir les cours autant de fois qu'il le fallait. Pourquoi j'ai choisi Your Nails? Ben en fait, les hasards de la vie, ma cousine a fait la connaissance de Nathalie pour un tout autre sujet. Et quand elle a su que je cherchais une formation en distanciel, elle m'a parlé de Nathalie et de Your Nails International tout de suite. J'ai appelé Nathalie qui a pris le temps de me répondre, qui a été hyper gentille avec moi et qui du coup, en fait, m'a convaincue. Et ce qui est rigolo, c'est que ma cousine, qui elle aussi a toujours aimé les ongles, puisque je lui faisais quand elle était petite, a décidé elle aussi de suivre la formation avec Nathalie. Donc je suis hyper contente de partager ça avec elle. Et puis l'histoire de Your Nails, l'histoire de Nathalie m'a beaucoup touchée. C'est une personne qui est hyper humaine, qui répond aux questions, je ne le savais pas avant de m'inscrire, mais maintenant je le sais, mais qui est toujours présente pour nous et ça c'est vraiment génial. Les avantages de cette formation, c'est de pouvoir, comme je le disais, pouvoir voir, revoir et re-revoir les cours en illimité. Et ça, c'est vraiment top parce que quand vous commencez, vous vous dites « Ah, j'ai posé ma pose de n'importe quoi de gel, je la trouve sympa. » Et en fait, en revoyant le cours, en revoyant les techniques de Nathalie, on se rend compte qu'on a peut-être oublié une étape, qu'on a mal mis le gel pas au bon endroit ou qu'on pourrait encore approfondir la chose. Et le fait de pouvoir revoir les cours, de le faire à son rythme, c'est génial. C'est surtout ça, le faire à son rythme. Nathalie ne nous met pas la pression. Si vous restez une semaine, deux semaines, trois semaines sans envoyer une évaluation, elle va pas vous courir après derrière, elle sera en tout cas toujours là pour savoir déjà si vous allez bien, si tout va bien, mais en tout cas elle respectera votre rythme et moi le fait de d'être maman solo, d'élever ma fille toute seule, et ça me laisse du temps pour m'occuper de ma fille mais aussi pour suivre la formation et je trouve ça génial. Cette formation, elle m'apporte énormément parce que du coup, j'ai vraiment l'impression, et je le dis souvent quand on me demande, j'ai vraiment l'impression que Nathalie, elle est dans mon salon. Parce que quand on regarde les vidéos, on l'écoute parler, elle se prend pas la tête en fait, j'ai envie de dire, elle se prend pas au sérieux, tout en étant hyper professionnelle. Parce que des fois, on entend le chien, le chat, les enfants qui passent à côté et on a vraiment l'impression d'être avec une copine et de vivre un bon moment et de partager ça avec elle. Donc moi, c'est ce que je voulais. Je voulais pas quelque chose de trop strict et trop guindé. Je voulais juste apprendre le métier avec une professionnelle et ça, c'est le cas de Nathalie, mais surtout l'apprendre de façon ludique pour pouvoir moi après par la suite aussi enseigner, pourquoi pas, mais en tout cas être prête pour me lancer dans l'aventure. À la question est-ce que je recommanderais cette formation, j'ai envie de vous dire que oui, carrément, puisque je l'ai recommandée à ma cousine et qu'elle m'a suivi les yeux fermés, elle attaque là le niveau 1, et bien sûr je la recommanderais pour toutes les raisons que je vous ai citées, dans le sens où vous prenez votre temps, c'est à votre rythme. Nathalie, elle n'est pas là pour faire de l'argent, elle est là pour former les meilleurs prothésistes ongulaires, sincèrement, et en fait s'il y a une évaluation qu'elle estime
pas réussi, elle va jamais avoir des mots négatifs, elle vous réexpliquera. Et moi, je me rappelle de l'évaluation finale du niveau 1, par exemple, que j'ai refaite 3 fois avant qu'elle me la valide. Alors, au bout d'un moment, je me disais, allez, Nathalie, j'espère qu'elle va me la valider. Et en fait, elle me l'a dit, elle me dit, je pourrais te la valider, mais je sais que tu es capable de mieux et je veux que tu fasses encore mieux. Et ça, je trouve ça génial parce qu'il y en a qui m'auraient dit, bon, allez, c'est bon. Mais Nathalie a vu dans cette évaluation que je pouvais faire encore mieux. Et j'ai refait, et j'ai refait, et j'ai refait. Et au final, elle me l'a validé. Et j'étais encore plus fière, du coup, de recevoir mon petit certificat que j'ai encadré direct. J'aurais un dernier mot pour celles qui n'osent pas passer à l'action. Bah, en fait, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, alors vivez-la, lancez-vous. Sincèrement, il y a plein de gens qui vont vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Comment? Franchement, lancez-vous. Moi, j'ai attaqué, ça fait un peu plus de 6 mois. Et je vais prendre un local, je croise les doigts, j'attends une réponse pour un local pour m'installer. Alors, ça fait peur, mais je sais qu'il y aura toute l'équipe de Your Nails et toutes les Your Nails, on se surnomme comme ça, au sein de l'équipe, de toutes celles qui suivent et toutes celles et ceux qui suivent la formation, qui sont là pour nous encourager, pour nous donner des conseils, pour nous soutenir quand on se sent moins bien, parce que c'est vrai que des fois vous pouvez faire une pause que vous allez trouver ratée et avoir une baisse de morale. Mais en fait, on est une vraie famille soudée, donc pour tous ceux qui osent pas se lancer, ben faites-le, parce que sincèrement vous regretterez pas, et que au final, même si vous vous rendez compte à la fin que c'est pas ce que vous voulez faire, ben vous aurez suivi quand même la bonne formation. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Et je voulais glisser aussi une dernière chose, moi, qui m'a donné envie vraiment de me lancer avec Nathalie, c'est que quand vous prenez contact avec elle et que vous avez accès à son site internet, vous avez une formation de 7 jours qui est offerte avant de vous inscrire, pour vous donner envie, en fait, de voir si le métier est fait pour vous. Elle vous explique tout, elle vous donne des petits exercices, des petites astuces, des petits tips, comme on dit, pour vous donner envie et pour surtout savoir si ce métier est fait pour vous. Et sincèrement, moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de dire merci Nathalie, ce métier est fait pour moi, je change d'ongle tous les 2 jours, peut-être pas, mais très souvent j'essaie d'assortir à mes tenues, et je suis trop contente en fait d'avoir croisé le chemin virtuel, peut-être un jour en vrai, de Nathalie. Mais vraiment merci pour tout ce que tu fais pour nous, et sincèrement, notre réussite, on te la doit, Nathalie, donc merci beaucoup.